Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 27 novembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Annick Dreux. Troisième course de la Réunion 1, où 15 trotteuses âgées de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. La crème de la génération des I chez les femelles sera en piste en ce samedi après-midi. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, il risque d'y avoir une terrible bataille du départ à l'arrivée. Une fois encore, nos deux favorites ne devraient pas sortir des 5 premiers. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 15, Inoubliable. Véritable petite craque entraînée par la famille Dubois, cette représentante de la casaque de l'écurie Victoria Dreams n'a qu'à fournir 80% de sa valeur pour espérer jouer le succès aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 10, Edith Speed. Modèle de régularité et donnant toujours le meilleur d'elle-même, elle devra encore une fois faire plaisir à son entraîneur, un certain François-Pierre Bossuet. En troisième choix, retrouvons le numéro 14, Evensong. Cette fille de Rética est présentée par un Philippe Allaire qui connaît toujours une belle réussite dans les semi-classiques réservés aux générations des jeunes. Attention à elle donc pour l'une des trois premières places. En quatrième position viendra le numéro 11, Idi Davi. Bonne finisseuse et bonne lauréate dernièrement, elle qui s'est sprintée comme allée de l'avant peut logiquement partir avec la confiance de son entourage et notamment de son entraîneur Fabrice Soulois. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, It's Now or Never. Philippe Allaire la confie une nouvelle fois à François Lagadec et espère tout simplement qu'elle va confirmer sa dernière troisième place. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 13, I Love Me. Tony Le Belair l'aime beaucoup et pense que cette fille de Love You peut terminer remarquablement si le parcours lui est caché du départ à l'arrivée. En avant-dernier choix, le numéro 4, Ibaya des Forges. Bourrée de classe mais pas toute simple, si elle est bien disposée aujourd'hui, elle peut elle aussi espérer conclure dans le quintet plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Impression Gemma. En grande forme et pilotée par Eric Raffin, elle aura également quelques partisans. En cas de non-partant, le numéro 8, Icône de Castel, qui doit rassurer, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono indique une fois encore le tiercé, et ce, dans le bon ordre, s'il vous plaît. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.